Nous venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand. C'est pourquoi nous t'élevons. Oui, je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Allons-y ensemble. Je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. Tu magnifies, tu mérites l'honneur et la gloire. Agneau pur et sans défaut, sans tâche. Je t'ai humilié pour accomplir le vœu de la croix. Ton seul mérite la gloire, ton seul est digne d'être adoré. Regardez ton trône, Jésus. Mais tu t'es humilié, tu t'es sacrifié pour accomplir l'œuvre parfaite. Je veux t'élever, 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 Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi nous venons en ce moment pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'exalter. Que toutes les nations s'élèvent de ce cœur pour porter à l'endroit du roi de gloire des louanges, des adorations. Mon frère Jean, car c'est l'année. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je sais que tu n'y as plus pensé. Je sais que tu as déjà peut-être même perdu complètement espoir. Mais en Jésus, l'espoir reste toujours debout. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut renouveler sa grâce dans ta vie. Donne-moi cette chanson. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus pense toujours à toi. Il t'aime encore. Ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus pense toujours à toi. Il t'aime encore. Tu es cher pour Jésus. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus pense toujours à toi. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié.
Toi, tu vas te mettre à genoux devant le plein Jean. Va te coller. Le Seigneur Jésus pense toujours avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Tu es là. Jésus t'aime. Regarde le bien. Point grandi. Alléluia. Amen. Frère Jean. Nous visons nos gens. Regarde. Point. Esther, que tu as vu de loin. Nous visons Esther. Elle était loin de toi. Elle est doué. Mais tu l'as désiré. Et, tour, et tu as prié, tu as demandé à Jésus. Jésus, celle-là qui est très très loin là-bas. Jésus, est-ce que tu peux la rapprocher de moi? Et voilà, Jésus l'a rapproché de toi. Et dit Jésus, et elle est devant toi. Et qu'est-ce que tu ressens pour elle? Était la joie. La joie. Acclamez pour Jésus. Et comprenons Jésus. Alléluia. Amen. La joie, c'est le plus grand sens du bonheur. Quand tu vois quelque chose de loin, que la ta main ne peut pas attraper. Alors toi, si c'est quoi? Mais tu as demandé à Jésus. Jésus, Jésus, ce qui est loin là-bas. Jésus, aide-moi pour que ma main puisse accrocher. Et Jésus l'a transporté. Jésus, jusqu'à déposer devant toi. C'est le sens de la grande joie. Esther. Qu'est-ce que tu ressens devant Jean? Les hommes voient un homme qui n'a pas les moyens. Mais là, et toi, qu'est-ce que tu ressens pour Jean? La paix et l'amour. Acclamez pour Jésus. Se réveille. Tout ce que les hommes ne peuvent pas imaginer, ça se passe dans ce réveil en Jésus. C'est le vrai amour. L'amour sans limite. L'amour qui ne fait pas de la marginalisation. Alléluia. L'amour qui ne regarde pas la condition de telle personne. Mais l'amour qui aime malgré ce que la personne est. Cet amour, c'est en Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère Jean, Jean, est-ce que tu acceptes Aïbe garder la sœur Esther, bon, Esther pour toi nous, ouais, dans la vérité, nous, bon, dans la sainteté, nous, en prenant soin d'elle, bon, oui, bon, jusqu'à ce que Kakazoye le Seigneur Jésus ne vienne vous chercher. Ouais, nous, Jésus-Christ, nous, bon, est-ce que tu es d'accord? Oui. D'accord. Acclamez pour Jésus. Pourquoi nous Jésus-Christ? Esther. Esther. Est-ce que tu promets devant Dieu, devant les hommes, que tu vas vivre avec Jean dans la paix, dans la fidélité, dans la vérité, dans la sainteté, dans la soumission, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ne vienne vous chercher. Amen, je le promets par la grâce de Dieu. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Nous allons leur remettre ce témoin. Quand Dieu a uni Adam et Ève dans le jardin, il a utilisé sa parole. Il a dit, allez, soyez féconds et multipliez-vous. C'est cette parole qu'il leur a donnée. Et c'est cette parole qui nous est aussi parvenue aujourd'hui. Et c'est cette parole qui est le témoin de notre foi. Et
c'est cette parole que nous portons comme témoin. Donc, c'est cette parole qui sera le témoin de leur union. Vous allez garder. Alléluia. Amen. Nous allons prier. C'est un moment solennel. Vous allez vous tenir debout. Alléluia. 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 C'est Jésus qui est le roi. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, ta parole dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Seigneur, aujourd'hui, devant les hommes, devant les anges et devant toutes les entités spirituelles, ton fils Jean et ta fille Esther se sont dit oui et se sont engagés à vivre ensemble dans le lien de mariage, le mariage sacré. Seigneur, à l'instant où je prie, que le ciel s'ouvre sur leur vie et que Seigneur, toi-même ton esprit descend pour les unir. Que le Saint-Esprit descend pour les unir. Amen. 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 Seigneur Jésus, que ta grâce descend. Que ta bénédiction descend. Seigneur, tu sèmes dans le cœur de la femme de la soumission, de l'amour, du respect pour son mari. Et tu sèmes dans le cœur de ton fils Jean. Tu sèmes l'amour pour sa femme. Tu sèmes la douceur, la vérité, la sainteté, la fidélité envers sa femme. Seigneur Jésus, que ta lumière se répand sur leur vie. 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 Seigneur, je prie que tu bénisses leurs entrailles. Que tu bénisses leurs semences. Ils porteront des fruits. Ils auront des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tout ce que leurs mains toucheront soit béni. Seigneur, tu es leur sécurité désormais. Seigneur, tu les entoures de ton feu. 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 Au nom de Jésus, totalement forgé contre leur vie, soit nul et sans effet. Seigneur, tu les couvres de bonheur. Tu les couvres de grâce. Tu les couvres d'amour. Tu les couvres de ta lumière. Seigneur, tu maintiens leur robe dans la sainteté. Le jour où la trompette va sonner, Seigneur, tu les fais monter dans ta gloire. Tu les fais monter dans ta gloire. Tu les fais monter dans ta gloire.
Seigneur, reçois la gloire sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez pour le Seigneur. Apportez le livre. Le résident. Amen. Alléluia. 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 Allé, 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 alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Esther, Esther et Jean, Jean sont déclarés unis dans le lien de mariage. Devant Dieu publiquement, devant les hommes publiquement, devant les anges, que nul n'ose séparer ce que Dieu a uni. La paix de Jésus sur leur vie. Acclamez pour le Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh.